Bien, parce qu'il est réalisateur, donc nous allons commencer nos travaux. Mais comme nous travaux, j'ai aussi à vous faire, je vais vous excuser de vous parce que vous ne savez pas. Je crois que Chérivelle ne sera pas avec nous. Je ne serai pas avec nous. Voilà. Ok. Premier point à l'ordre du jour. Concerne les activités, quelques activités.
c'est à charge de la SDG, on peut conclure le meeting, les cours du dragon, qui a eu lieu le 3 novembre 2019. La distance était de 5 et 10 km sur sortie et chemin, sur notre entrée. Nous avons eu près de 432 participants. La SDG organise toujours des activités permanentes tout au long de l'année. La gymnastique douce pour les aînés, les mardis, de 16 à 17 heures, on a 25 personnes inscrites. Les cours de psychomotricité, les samedis, de 11 heures à midi, une dizaine d'enfants sont inscrits. Et enfin, les cours de danse, les samedis, de 13 heures à 16 heures, chaque fois, 3 groupes d'une heure, on compte près de 55 participants. Voilà ce qui concerne le rapport d'activité. L'ancien centre sportif local qui a gardé ses spécificités. Vous avez reçu le compte de résultats de la SDL pour l'année 2019. Avez-vous des questions?
Oui, on doit avoir quelques mains pour que personne ne s'en détonne. Comme Jean-François a fait un point des finances et président du CPF, et conseiller général, bien sûr, il va faire la présentation des fonds, il ne peut pas assister à la discussion ou à la décision. Ok, nous avons précisé des fonds qui ont été approuvés à l'unanimité par le Conseil d'action sociale le 8 juillet dernier. Je vais vous faire la lecture du document de rapport financier du coup. C'est la dernière page de votre document. Je pense qu'il schématise bien, synthétise bien la situation du fonds. Au service ordinaire, le compte 2019 se clôture à l'équilibre suite à un déficit de provision d'un montant de 37 270,88 €. Les différents services gérés par le CPS sont l'aide sociale générale. Dans cette matière, les dépenses s'élèvent à 1 124 814,76 € et les recettes à 537 861,56 €. Le revenu de la délégation est subventionné à hauteur de 55% par le FEDER. La subvention s'élève à 65% s'il s'agit d'étudiants et 100% pendant 2 ans maximum pour le bénéficiaire qui perd sa qualité de sans-abri. La loi du 21 juillet 2016 a étendu le projet individualisé d'intégration sociale, PIS. L'objectif de la réforme a pour objet de soutenir l'intégration sociale et professionnelle des bénéficiaires dans le milieu d'intégration et de les responsabiliser. Le PIS a donc une forte dimension d'accompagnement et est un instrument dynamique. Il est obligatoire pour les jeunes de moins de 25 ans. Une subvention particulière de 10% du montant du RIS a été introduite dans la loi et doit servir à cofinancer les frais d'accompagnement et d'activation. La convention avec l'association chapitre 12 SPOT a été reconduite en 2019 et le CPS a bénéficié des services de l'accompagnement une fois par semaine. En 2019, les recettes de l'activation du PIS s'élèvent à 21 351,40 €. Une subvention pour les frais personnels est également apportée par le fédéral dans le cadre de la gestion du droit à l'intégration sociale. Elle s'élève en 2019 à 37 393,41 €. L'aide équivalente au RIS accordée aux étrangers est quant à elle récupérable à 100% auprès du fédéral. La médiation de dette, pour laquelle les subsides d'un montant total de 35 396,23 € sont perçus, 9 616,85 € pour le fonctionnement et 25 779,38 € en fois APE, génère des dépenses d'un montant de 63 837,48 €. Il s'agit principalement des dépenses de personnel. 54 dossiers ont été traités en 2010. La guidance énergétique. Les allocations chauffage sont intégralement prises en charge par le fédéral, 18 223,52 €, soit 92 bénéficiaires. Et la guidance, qui peut prendre plusieurs formes, aide financière, conseil personnalisé, organisation de conférence, etc., pour laquelle le CPS bénéficie d'un subside s'élevant à 29 614,24 €. Les dépenses en 2019 s'élevaient à 36 361,63 €. Dont une aide financière octroyée à 8 personnes pour un montant total de 4 869,45 €. L'épanouissement socioculturel subsidie en hauteur de 8 227 €. Grâce à ce subside, le CPS a la possibilité de prendre en charge les frais relatifs au stage ou aux classes de dépaysement des enfants des familles en difficulté. En 2019, 22 familles ont été aidées dans ce cadre et des activités ont été organisées. La maison de repos et les services d'aide à domicile sont en volume de 8 555 €. En 2019, 10 196 repas à domicile ont été confectionnés et livrés, soit une diminution de 890 repas. Le service des ILA est en manie de 2 764,68 €. Le fonds de réserve des ILA s'élève à 0 € le 31 août 2019. La réinsertion professionnelle par le biais de l'article 60 a généré des dépenses de l'ordre de 366 130,06 € et des recettes de 241 876,13 €. Le risque est récupéré à 100% et nous recevons également une subvention de la région. En 2019, un subside de 27 970 € a été encore accordé par la multinationale
dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale pour les épargnants. Les dettes d'investissement suivantes étaient effectuées pour un montant de 4 107,54 €. Il y a eu l'achat de 2 frigos et de 2 congélateurs pour le stockage des denrées alimentaires dans le cadre de la distribution de produits agricoles alimentaires. Et le renforcement de l'installation électrique à la maison de secours, donc on a doublé les prises existantes, afin de permettre l'installation des frigos et des congélateurs. Le sol serait réalisé en 2020. En matière d'assistance sociale, le CPF bénéficie de 8 mois PE, soit un subside de 31 813,85 € pour une dépense professionnelle de 45 632,03 €.
Donc, j'ai modifié la caisse communale à trois reprises. Donc, la caisse communale a acheté au 31 décembre 2019, au 31 décembre 2019 et au 31 mars 2019. Je n'ai aucune remarque à accumuler. En le 18 mai, il y a eu
magasins de vêtements, coiffeurs, sport à l'extérieur, etc., qui va universer 150 euros de subsides octroyés par la commune, théoriquement. Et puis le 8 juin et le 1er juillet, il y a eu d'autres possibilités d'ouverture, notamment l'Oreca, les cinémas, les théâtres, qui tenaient droit, qui ont mérité une prime de 2000 euros maximum. À cela, qui était évidemment greffé les conditions d'accès à ces primes, je vous les rappelle, il fallait être commerçant ou indépendant à titre principal, être éligible dans un secteur, c'est-à-dire un port nassé qui avait été repris par la liste de la région que nous avons suivi scrupuleusement et trouver une activité avant le 12 mars 2020. Il y avait aussi un formulaire à remplir avant le 31 juillet et à cette date, nous avons à peu près reçu sur un contexte que l'on croyait à peu près à 100 sociétés, à 100 commerçants, on avait reçu à peu près la formulaire. Nous avons donc estimé qu'il y avait là quelque chose qui ne fonctionnait pas et nous avons prolongé ce délai jusqu'au 15 août. Au 15 août, il y a eu 45 dossiers, donc formulaires rentrés, et une somme en subside totale de 37 000 euros qui a désormais été distribuée il y a une petite dizaine de jours vers les commerçants qui l'ont commis. Ça, c'est la première fois. À l'article 5 de la décision du Conseil communal du 2 juillet apparaissait que le reliquat, et donc ici on parle de 63 000 euros, serait dédicacé à l'octroi, en tout cas à l'émission de chèques commerçants. Et ici nous avons voulu apporter une modification à cela, c'est que vous l'avez dit dans la presse, le fait des chèques commerçants, donc l'utilité des chèques commerçants ne semble pas avoir un succès phénoménal, pas plus tard qu'il y a deux jours, ni s'exprimer dans la presse à ce sujet. Et donc aujourd'hui, nous avons réfléchi à la manière la plus opportune d'encore aider les commerçants de manière directe, puisque, comme je vous l'ai dit, nous ne prenons en considération que l'activité principale. Nous allons donc nous tourner maintenant vers les activités secondaires et vers les professions libérales. Les professions libérales et l'activité secondaire, évidemment, devront rencontrer les activités qui ont été précisées par la déjeuner. Pour avoir demandé à ce que le contact dynastique et l'Institut national des travailleurs indépendants, il apparaît que on aurait à peu près, non pas à peu près, en tout cas, on aurait au 31 décembre 2019 204 activités complémentaires et à peu près 40 et 47 selon les données activités de profession libérale. Donc, nous allons dans un premier temps relancer une campagne via le même formulaire vers ces commerçants et professions libérales. Puis, à première vue, et ça reste encore à décider par le collègue, nous pourrions, pour les activités complémentaires, pour les dates que je vous ai citées en termes de réouverture, d'autorisation de réouverture, pour les activités complémentaires, accorder un subside de moitié, c'est-à-dire on partirait sur 250, 375 et 500 euros. Et pour les professions libérales, nous resterions aux sommes citées. S'il y a encore un reliquat, et il y en aura certainement un, il sera, à mon avis, nécessaire alors de rencontrer, comme je l'ai déjà fait quelques reprises, et les commerçants de ce côté, et les commerçants de la nationale 514, et les autres, bien sûr, pour voir avec la meilleure manière de pouvoir dédicacer le reliquat de ce paragraphe à la relance du commerce de l'Europe. Voilà, je n'ai pas oublié grand-chose. Il me semble.
Ça rejoint à 2, je veux dire, les questions, la question 2, le point 2 que nous avions déposé en complément. Donc je vais un peu le lire, même si nous avons reçu quelques réponses. Lors du Conseil communal du 2 juin 2020, il a été décidé que le solde du budget de l'aide communale au commerce et de la dépendance serait consacré au financement de chèques à utiliser chez les commerçants de la commune, que les modalités d'entrée et d'établissement d'une convention avec les commerces intéressés par le dispositif de validité serait arrêté par le collège. À ce jour, nous n'avons reçu aucune information, ce qui devrait être complété. Qu'en est-il? Quelles sont les modalités? À partir de quand les chèques sont ou seront disponibles? Donc, tout ceci est une réponse. Outre une aide aux commerçants et aux indépendants, cette démarche permettait également d'aider les citoyens. Par ailleurs, lors du même conseil communal, il a été décidé une création de commission commerce. À ce jour, celle-ci n'a toujours pas vu le jour et aucun contact ni aucun échange, qu'il soit virtuel ou non, n'a été établi sur le sujet. Qu'en est-il? Donc ça, c'est une question à laquelle vous pourriez répondre. Et je m'étonne, ce point est inscrit en information. Cela veut-il dire qu'au prochain conseil communal, nous serons amenés à voter ces modifications des décisions du précédent du conseil communal du 2 juillet? Alors, il est clair que si on sort du canevas de la délibération initiale, il faudra détonner d'une façon ou d'une autre quelque action entreprise que ce soit. Donc, cette information doit encore être validée, non seulement par le conseil communal, mais d'autres pistes pourraient être mises en exergue par la commission commerce, qui doit avoir le jour normalement depuis 2 juillet. C'est clair, Maria. Donc, j'ai cité des chiffres en termes de protection libérale et de commerce avec l'activité complémentaire. Il faut évidemment pouvoir croiser cela avec les codes menacés. Nous sommes sur une enveloppe fermée, donc on ne peut pas prendre des comptes que par dire à certains, vous n'aurez droit à rien, puisque il y a trop de demandes potentielles. Donc nous devons absolument regarder les choses qui sont possibles. Et si Monica il y a, comme je l'ai dit, il y aura une réunion avec tous les commerçants, et c'est de cela qu'il s'agit, c'est une commission. Nous sommes d'accord, une réunion avec les commerçants, ce qui a été voté, c'est une commission de commerce communal où étaient associés les différentes composantes du conseil communal. Et donc, je pense qu'il y a non seulement le premier qui était d'aider les commerçants et les indépendants, mais aussi d'aider la population qui, par rapport à cette crise Covid, a été mal menée. Et donc, dans les propositions entendues aujourd'hui, que je ne jugerai pas, hein, soyons clairs, j'ai l'impression qu'on nous dit ce côté aide à la population. Même si j'entends que dans d'autres communes, le résultat n'est peut-être pas celui escompté. Donc, ça s'appelle l'aide au commerce locaux pour le moment. Et pour ce qui est de l'aide à la population, il y a d'autres vecteurs pour les aider manifestement, notamment vers le président du CPS. Ça a été évoqué dans la presse, à la fois sur la peine. Les CPS peuvent communiquer une aide substantielle pour les personnes en difficulté supplémentaire. Ce qui ne concerne pas toute la population. Mais j'arrêterai ici le débat, puisque de toute façon, je pense que ce débat doit avoir lieu en priorité au sein de cette commission. Et puis, donc, les aides directes des commerçants qui sont en activité complémentaire avec la protection libérale, c'est des choses que nous avons décidées assez rapidement. D'autres questions? Ok, donc il n'y a pas à voter sur ce point, c'est une information pour annoncer. Merci Pierre. Alors, le point suivant, c'est à son après-midi.
remercier à la conférence des élus qui a servi de pétière pour l'acquisition de masques. Et en fait, bon, certaines communes retouchent, d'autres doivent payer. Nous sommes dans cette seconde catégorie. Et nous sommes en retard de 152,35 euros à la conférence des élus. Ce n'est pas une somme importante, mais c'est une question de correction maintenant. Voilà, c'est une question par rapport à ce point. C'est d'accord pour le versement. Le point suivant, c'est le budget 2021 de la fabrique des bus de Sous-Bois. Je vous donne les chiffres projetés. Recettes et dépenses, respectivement, des montants de 4 884,2 évidemment, et une dotation communale ordinaire de 1932,08 euros. Voilà. C'est une adoption. Donc, est-ce que nous pouvons adopter ce budget 2021? Pour les devises de Martin, qui se traduit par un résultat après des formations de en recette 5 434 et en dépenses forcément 5 434 et une dépassion communale de 1 593,20. Il vaut mieux l'adopter. Nous avons des recettes pour un montant de 96 632,16 euros. Des dépenses pour le montant aussi, avec une dotation communale de 19 758,86 euros. Pourquoi un montant aussi élevé? Parce qu'ils ont projeté de démolir et de reconstruire la chapelle de la rue Fondre-Buisseau et de la reconstruire non pas à l'identique, mais à une version plus légère, et que cette seule opération représente un montant de 55 000 euros, à laquelle je suggère que nous avons besoin de la fabrique d'église de passer à un marché public. Parce que bon, ce sont des entités qui échappent au marché public en temps normal, et je trouve tout à fait normal que les mêmes règles ne se soumisent qu'à nous. C'est la chapelle de Notre-Dame, c'est ça? C'est ça. 55 000 euros. Petite question. Pour appuyer ce point qui est parfois, qui soulève parfois des débats. Si la commune voulait devenir propriétaire d'une des églises, serait-il pas, indépendamment de ce que vous allez dire avec, avec votre argent, vous allez dire que ça coûte trop cher, M. Beltran, est-ce que vous imaginez tout cet argent, etc. On va imaginer qu'on est très riche. D'accord? Alors, est-il possible d'acheter une église ou sur notre territoire communal? Comment le faire? Nous sommes déjà propriétaires de deux églises. Lesquelles? De Martin et Saint-Georges. Ah, ça m'ennuie. Ah oui, c'est tout. Mais je n'ai pas choisi. D'accord. Donc il reste comme église sur les bois, qui appartient à la famille de l'église, en tout cas jusqu'à cause du hôtel, et ce qui est, qui a été reconstruit par une ingénieure qui est. Pardon, un fonds paroissial qui est juxtaposé à côté de la fabrique d'église. Alors, il reste l'église de la Malieu qui est rattachée à Sauté et l'église de la rue des Gobeliers qui est transformée à la place. D'accord, mais vous ne répondez pas à ma question. Comment peut-on faire? Il faut que l'église soit à bord. Donc, on ne peut pas l'inciter, vu les dotations communales qui sont. On ne peut pas inciter à peu alléger le nombre d'églises sur la rue, peut-être en vue d'en créer, je ne sais pas, de faire autre chose dans ces bâtiments-là. Sur le fait de réfléchir à voix haute, hein. Oui, mais bon, j'ai déjà
faire une réflexion que la vôtre et j'ai déjà réfléchi à certaines églises qui pourraient connaître une autre destination. Parce que tôt ou tard, ça arrivera. Hein. Bon, je ne sais pas quand, hein. mais c'est écrit dans les astres, ça se produira. Voilà. Mais je ne sais pas vous en dire plus. Moi, je serais déjà intéressé par un premier pas qui consistait à dire qu'il n'y a plus qu'une fabrique d'église pour la totalité des églises sur la communauté. Nous aurions un seul interlocuteur avec qui ce serait beaucoup plus facile de traiter différentes choses. Alors, actuellement, nous en avons quatre. On n'a pas encore eu le budget, je crois, pour faire une partie du budget 2021 de ce qu'il y a. Si, ah, il est déjà passé. Donc, voilà un peu mon ressenti par rapport à cette question. C'est d'ailleurs assez cocasse pour faire un peu de transparence, c'est que lorsque nous avons préparé cette réunion du conseil communal, nous sommes sur le même point de vote. Donc, c'est formidable. Ouais. T'as rejoint un peu l'eau, alors. Viens t'asseoir comme une moine, là. Ok, encore une chose. Si on récupère les églises pour en faire quelque chose, on ne pourra pas faire n'importe quoi, n'importe où. Exemple, de Martel, l'église est entourée du cimetière. Il ne s'agit pas d'en faire une partie. C'est plutôt malvenu. Mais bon, ça signifie qu'on ne va certainement pas les démolir, donc ça veut dire qu'il faut continuer à les entretenir d'une façon ou d'une autre. Que l'on y fasse du théâtre, une salle de sport, que sais-je, on aura quand même toujours, comme un boulot, un entretien. Alors, M. Briqueux avait l'idée d'une salle de sport, c'est ça mais c'est d'ailleurs ça. Ce que vous venez de dire totalement exact, il ne faut pas perdre de vue que chaque église a un patrimoine. Ouais. Ce patrimoine-là, évidemment, si jamais le cas échéant, on devait se dire, on désacralise une église, ce patrimoine-là, il faut l'entretenir aussi, il faut lui donner un avenir. Donc il ne faut pas faire les choses n'importe comment, je crois, et il faut déjà, à tout le moins, sensibiliser avant de... Oui, si, attention, hein, soyez bien clair, je ne suis pas en train de vouloir chasser le culte catholique hors de Saint-Georges, hein, c'est pas ça. Mais je pense qu'ici, quand on voit quand même le nombre de personnes qui fréquentent toutes ces églises qui sont sur notre commune, bon, à un moment donné, il y a des sommes qui sont investies pour un retour ou une action auprès de la population qui est relativement minime. Et je crois que là, sans vouloir aller plus loin, mais je crois que certains bâtiments, dont un auquel je pense très fortement, et on a d'autres aussi, pourraient être utilisés d'une manière beaucoup plus efficiente et tout aussi dans l'intérêt de la population que les lieux de culte classiques. Je pense que si on pouvait déjà avoir un partage d'utilisation de l'infrastructure, pour que les du théâtre dans une église, et les gens passent sur les bancs, qu'ils sont, ou sur des chaises, peu importe, ce serait déjà un premier pas vers une utilisation plus rationnelle de l'infrastructure. Ce sont des idées jetées en l'air comme des pierres dans l'eau. Les grands parkings, oui, en effet, il y en a que les parkings immenses qui sont sous-utilisés, qui pourraient être utilisés à d'autres choses beaucoup plus sympathiques. Voilà. Ben, si on n'a pas deviné quelle église, je parle. Mais on serait parfois surpris de la réponse qu'on pourrait avoir en lien posant la question. Oui, voilà. Donc, si on dit simplement que ce propriétaire décide à vendre, il faut simplement avoir une discussion avec lui, ben voilà, la réponse est claire. Évidemment, le transfert de propriété ne s'imagine qu'avec un bâtiment désacralisé. Oui. Je vois mal de la messe là-bas. Personnellement, moi. Voilà. Peut-être les confessions. Ça, vous faites ça le samedi matin, ça. Vous avez des salut la veille, les confessions. Je suis un professionnel dans le détail. Ok, est-ce que nous pouvons adopter le budget de la fabrique d'église de Saint-Georges? Pas du tout. C'est la désignation d'un gardien d'art et conservateur pour nous avoir un
pour réaliser son activité professionnelle, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, il faut que nous procédions officiellement sa désignation en cette qualité-là. Et si vous n'avez pas question à ce point-là, je vous souhaite de décider favorablement. Bien, je procède à la parole pour le président. Commençons par la question de la sociologie du milieu de l'air. Ici, nous sommes dans le contexte de développement durable, un contexte immédiat particulièrement majeur et qui est particulièrement compliqué à l'époque. La sociologie, c'est ce que la seconde main, c'est l'économie circulaire. Donc, complication en deux points. Un, vous dire en quelques mots très brefs ce qu'est la ressourcerie et ce qu'elle donne comme service, de dire ce que l'on propose, qu'on proposera au gouvernement prochain lorsqu'on posera les redevances taxes, en termes de contenu de la convention. Donc la ressourcerie du cabinet de l'IA, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se commence avec quelques kilomètres, très personnellement, qui fait des anciens bâtiments militaires. C'est une société qui coopère, je pense, qui dégage plusieurs plus-values. La première, c'est une plus-value économique, puisqu'elle s'inscrit dans le marché, à l'emploi, et à la plus, c'est une économie sociale. Il y a de nombreux articles 60, une cinquantaine de personnels qui sont employés, qui relèvent de l'article 60 et de l'article 20 du travail. C'est aussi une société environnementale, comme je l'ai dit, puisqu'elle permet la réutilisation et le recyclage, ainsi qu'elle participe des encombrants, des objets, et elle améliore évidemment la propreté urbaine en ce sens aussi. Alors, comment est-ce qu'elle procède la ressourcerie? Elle collecte évidemment chez les particuliers les encombrants, ceux-ci sont triés. Dans le but de connaître une nouvelle vie, soit ils sont réutilisés en tant que tels par l'intermédiaire d'un magasin second main, soit ils sont recyclés par pièces. Ce qui permet des économies de ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est l'énergie de production. Elle participe aussi à la collecte ce qu'on appelle les déchets d'équipements électriques et électroniques, les DEP, qui sont mis en vente par la suite. Par la filiale qui s'appelle Sophie, que vous connaissez peut-être aussi. Alors, qu'est-ce que c'est une collecte d'encombrants? Et on ne peut pas évidemment déposer ce que l'on veut à la ressourcerie, ou en tout cas aux collectes de la ressourcerie. Il y a six thèmes majeurs qui sont collectés, c'est le mobilier et les objets de décoration, les livres et les jouets, les électroménagers et l'électricité, le matériel de chauffage et les articles mécaniques, les sanitaires et les PVC de reconstruction, la fibrolique, les outils, les portes en bois, etc. C'est vrai, c'est une ressourcerie est capable d'apporter comme service. Alors, ce que l'on vous propose, c'est une convention qui va permettre d'activer ce service à la ressourcerie. Pour le moment, une part de cette société, ce qui nous permet de vous proposer la signature de cette convention. Je ne vais pas vous la relire, en résumé, c'est ce que je viens de vous dire. Néanmoins, il faut préciser que la ressourcerie dispose d'un call center pour la prise de rendez-vous, de camions, de personnel, comme je l'ai dit, et d'infrastructures diverses nécessaires au stockage et au tri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la commune ne délivre quasi pas de travail pour la collecte de ces encombrants, si ce n'est une fonction qui sera de vérifier si les paiements avant collecte ont été effectués. Voilà, ça c'est le cas. Ce que l'on vous proposera par la suite, ça, je suppose que ce sera en octobre, c'est nous n'aurons pas une journée de collecte. On va faire, pour éviter les débordements et les personnes extrêmement
magistrats territoriaux qui viendraient déposer leurs encombrants, ce serait une collecte de porte à porte à la demande. Exemple, si il y a une vingtaine de ménages qui ont téléphoné la semaine prochaine à la ressourcerie, ben, la ressourcerie organisera ces 20 collectes d'encombrants à une date qu'ils préciseront aux demandeurs. Ça se fera non pas sur le trottoir, mais ils viendront chercher vos effets, vos encombrants, soit si vous les avez mis sous votre porche accessible, soit ils sont bons, ils viendront les chercher dans votre garage. Et la première collecte d'encombrants sera gratuite. La collecte ne pourra pas dépasser, mais ça c'est très théorique, 3 mètres cubes. Elle sera gratuite. Donc si c'est à 3 mètres cubes et demi parce qu'il y a un salon, ils le prendront sans aucun problème, bien sûr, c'est du bon sens. Les collectes suivantes, elles, à la demande, toujours du ménage, seront payantes. Et tout cela fera l'objet d'une personne de France qui vous sera décidée par la suite. Alors, un petit chiffre. La collecte des encombrants à la tonne, c'est toujours un peu bizarre, alors on collecte pour l'une et on paye à la tonne, c'est aussi un peu plus, c'est déjà dit ça avec les vaches agricoles. La collecte à la tonne coûtera à la commune 228 €. Pour en avoir parlé, pour avoir visité la ressourcerie le 18 août avec le collège, pour en avoir parlé avec son responsable Michel Simon, il apparaît que des communes comme les nôtres ne collectent pas énormément de tonnes. C'est-à-dire entre 8 et 15 tonnes selon la commune ou le nombre d'habitants. Donc, manifestement, on ne devrait pas être dépassé par cela. Néanmoins, la première année, on se donnera la latitude de revoir les choses de la place de vent si par malheur nous devons dépasser les chiffres que nous souhaitons. Voilà. C'est très intéressant pour un autre sujet. Parce que notre groupe, à l'époque où Olivier était mon collègue, on avait fait la même proposition. Alors je n'ai pas réussi à trouver la date, parce que j'aurais pu dater l'avance du parti économique dans la majorité. En tout cas, ça fait depuis 2 ans que ça enchaînait avec moi, hein, plus ou moins. Et donc Olivier, ça va dire 4. On avait raison 4 ans plus tôt. On vous avait proposé la même chose. Et on avait été voté en bouche parce qu'on nous avait dit « Ah, mais nous n'avons pas qu'à continuer, c'est inutile, ça fait double emploi. » Et on avait proposé que ce n'était pas un double emploi, c'était un autre service qui avait une destination identique, c'est-à-dire les encombrants comme le parc à continuer. Et encore, vous avez refusé, dans tous les langues, d'autres propositions. Et là, vous dites, vous, comme ça, avec les éleveurs, vous avez visité exactement ce que nous avions fait, Olivier et moi, on avait visité la ressourcerie à l'époque, bien avant les travaux qui ont été faits pour adapter les bâtiments et qui leur permet d'avoir encore plus de rendement. À l'époque, on avait découvert aussi tous ces travailleurs qui étaient réinsérés grâce à ce travail, mais vous avez fait la soupe d'oreille aussi, pas dans toutes les langues, mais dans toutes les oreilles. Donc ici, je peux que vous féliciter d'enfin rejoindre nos propositions. C'est un peu avec le cumul des aides par rapport. Pendant longtemps, Olivier et moi, on a demandé le cumul des aides au niveau des déchets, rappelez-vous. Hein, vous pouvez cumuler, vous ne pouvez pas cumuler le fait d'avoir famille nombreuse, une personne âgée et que vous avez accepté en début ou en fin de législature, je ne me rappelle plus, cette proposition. Ben voilà, ici, on est la même proposition. J'espère que ce que j'ai dit à propos du rachat d'une des églises ici à Saint-Jean se fera un peu plus rapidement que 4 ans après. Non, mais enfin, il y a quoi quand même au moins ayez un peu l'élégance de qui le parti écologique avait proposé il y a 4 ans et d'une certaine façon, au moins de reconnaître que notre proposition était correcte. Je t'ai quand même dessiné tout ça dans un courant.
donner l'orientation initiale pour lequel vous proposez, les fiches projets ont été envoyées vers la région Wallonne, en tout cas sur ce qu'on passe de l'étranger. Il y a du sens, il y a du sens dans ce que vous proposez. Parce que le sens qu'on avait proposé, que vous avez vous-même évoqué à l'instant, c'est tout simplement de savoir que les encombrants qui partaient d'un particulier, ils pouvaient même savoir quelle était la destination. Ils pouvaient savoir que, par exemple, quand on dit de malheureusement la maison d'un parent décédé, eh bien, ça fait confortant de dire que les meubles qui vont partir à la ressourcerie vont trouver une seconde vie, etc. Et donc, on avait mis en rapport tout ça. Nous, on a passé un temps infini, on avait même rencontré Mme Dams pour un peu voir comment ça déroulait par rapport à ça. On avait vraiment préparé ce dossier à fond. Et donc, il y avait du sens aussi quand on l'avait proposé. C'est-à-dire que ça doit surtout nous permettre de, aller au moins de contribuer, sinon de
mener à bon terme la transformation du bâtiment qui reste communal, puisque je viens de dire, le rez-de-chaussée sera le studio et le premier et le deuxième étage, un logement de transit, je veux dire un logement de dépannage pour une famille avec plusieurs enfants. Donc je pense que c'est quelque chose de tout à fait intéressant et qui nous permettra de faire parfaite adéquation avec les exigences de la région. Pour une petite remarque, un peu d'interrompre. Tout ça pour ça. Le secret, c'était presque un secret pour les chinelles aussi. Mais vous braquez pour ne pas nous dire la destination du bâtiment, là, franchement. Je ne sais pas pour vous dire, pour ne pas vous dire la destination du bâtiment. La destination du bâtiment, je ne vous ai jamais caché. Bah, si, par contre, je vous ai dit que je ne vous communiquerai pas le nom des personnes intéressées. Vous avez demandé la destination, on ne va pas commencer. Je n'ai jamais demandé le nom. C'est fou. Si. Non. Je n'ai jamais demandé le nom. J'espère que les autres vont conseiller. Je n'ai jamais demandé le nom du futur acquéreur. On a demandé la destination et vous n'avez pas, et vous n'avez pas voulu l'entendre. Je n'ai jamais demandé le nom. Si on peut, on peut prendre le PDF. Mais je n'ai jamais redemandé le nom. Voilà. Pour être clair, c'était la destination et le type de commerce qu'il était possible d'avoir. Nous avons eu une discussion sur le redynamisme de ce quai et de son commerce. Et clairement, vous nous avez dit que cela ne nous regardait pas. Non. Alors, je suis désolé si c'est ça que vous avez compris de ma part. Je ne voulais pas vous communiquer, c'était le nom des candidats acquéreurs. Et vous avez les noms dans votre délibération, et si vous regardez ça de près, vous comprendrez que A a été locataire et l'autre était propriétaire du même bien. Et c'est là qu'il y avait un problème de discrétion à respecter. Voilà, ici je lis le PV. Madame Hédon demande si on sait déjà de quel type de commerce il s'agit. Monsieur Bourbès répond affirmativement, mais déclare qu'il n'en dira pas plus. Voilà. Et alors, il y a un film en plus, qui a eu beaucoup de succès sur Internet. Il y a un film qui a filmé. À aucun moment, je dis, donnez-moi le nom. À aucun moment. On peut le regarder ensemble la prochaine fois. Mais ici, le PV dit clairement, déclare qu'il ne dira pas quoi, le type de commerce. Alors, si dans le mot type, vous avez cru quel est le type qui achète le commerce, On pourrait vous trouver une excuse là-dedans, mais ce n'est pas le cas. Je clôt le débat ici, moi, en tout cas pour ma part, simplement tout ça pour ça. Voilà. C'est possible, mais je vous dis, d'abord, le type de commerce, je ne sais pas encore très exactement. Par contre, ce que je savais, c'est qui avait fait une manifestation d'intérêt. Donc, je me suis peut-être mépris sur ce que vous me demandiez, mais ce n'est rien plus que ça. Voilà. Et nous en avons d'ailleurs reparlé ensuite, entre nous, et j'ai bien spécifié que je ne pouvais pas communiquer. Oui, ça, j'ai bien entendu. Le collège n'est peut-être pas filmé, mais je vous garantis que c'est comme ça que ça s'est passé. Oui, regardez le truc. Je ne dis jamais, je ne veux savoir jamais. Ok, est-ce qu'on peut être d'accord avec le choix de l'acquéreur? Thank you.
peu de temps de préparer le conseil, mais quand on a des cartes, vu les passe-points, c'est difficile. Heureusement, on a maintenant avec un point d'avis, c'est la chapelle. Et le terrain, c'est la chapelle. Le terrain, il est entré. Il y a des questions.
près 14 secondes. Donc là aussi, ça nous prend du temps à lire, mais je suis épaté, 14 secondes pour résumer tout ça. Franchement, les cartes, tout ça, non, si vous ne faites pas exprès. Mais bravo. On ne peut pas vous résumer tout ça par ça. C'est pour ne pas le conseil. Oui, on le sait. Il y a le Covid dans l'air. Il a été applaudi par tous les
animation culturelle, comme ça, et que effectivement il y a un malaise dans la conférence, il s'agit de vis-à-vis de laquelle il s'agit de trouver des solutions. Et c'est bien pour ça que et le président et la secrétaire, la trésorerie adjointe, ont mis la prévision, puisqu'il y avait un malaise à la fois pour le directeur et son équipe, entre le directeur et le niveau. Et donc aujourd'hui, on va renouveler tout ça. On va essayer de moderniser et avoir des membres actifs au niveau de ce qu'on appelle aujourd'hui l'organe d'administration, puisque c'est plus le conseil d'administration, comme il est concerné l'organe d'administration. Et j'espère que dans les semaines qui viennent, les choses seront à la fois planées en termes de gouvernement et dynamisées en termes d'activité publique. Sur votre entente de proposition et surtout le fait de la reconnaissance du travail et de l'implication de votre représentant dans la personne de M. Joubert, qui a par ailleurs, et tout le monde le sait, une expertise professionnelle dans le monde culturel qui n'est plus à prouver et qui par ailleurs un exemple, une vitrine de notre commune vers l'extérieur par rapport à ses activités exercées dans son studio. Donc, je me permettrai, et je le redirai encore une fois, de revenir vers vous prochainement avec la position de M. Joubert. En même temps, je souhaite pleinement avoir un en aparté ou en... Je poursuis avec la désignation d'un représentant
communale pour la législature 2019-2024 en remplacement de M. Lucien Van der Leyen, qui s'agit en l'occurrence de Mandelbou. Voilà, parce que nous sommes d'accord avec ce remplacement. Et même chose en ce qui concerne Idio, où le remplacement de Lucien Van der Leyen sera également réalisé par le mois de juin. Votre décision est. Voilà.
sera un point à huis clos, mais avant ça, je vais céder la parole à la maison. Vous avez déposé des questions à destination du conseil communal. Le premier point concerne l'aéroport de Gatineau. Il y a plusieurs mois, nous avions interpellé concernant l'allongement de la piste ainsi que l'augmentation du nombre d'avions reporteurs dans le ciel saint-georgien, modification de couloirs aériens non liés aux conditions de vol, de décollage et d'atterrissage selon le vent, ou encore l'augmentation de vol à basse altitude. Je vous mettrai mon intervention à la main. À la fin, je vous aider à la voir pour préparer les réponses à vos questions, si besoin. Je pense qu'il n'y a pas réellement. Et sur une éventuelle redéfinition des zones de nuisance, zones sur le territoire communal. Nous devions par ailleurs rencontrer des représentants de l'aéroport pour être informés du développement économique de l'aéroport et des conséquences liées à celui-ci. Une réunion qui, pour diverses raisons, n'a jamais eu lieu et qui n'est pas de la faute communale, je vais donc dire. Si le développement économique est essentiel, et encore plus en cette période de crise ou au vu du nombre de pertes d'emplois liées au Covid, il est également essentiel de pouvoir se positionner et d'agir préventivement quant aux conséquences qui auront des impacts sur nos qualités de vie. Que ceci soit au niveau sonore, bruit des avions, de la mobilité, augmentation du charbon routier et principalement des camions, environnemental, qualité de l'air et des sols. Aujourd'hui, via la presse, nous sommes informés que différentes communes ont décidé de s'associer en vue de leur intention d'agir en justice. D'autres ont annoncé qu'elles interpelleraient le gouvernement wallon et des instances dirigeantes afin qu'une nouvelle étude d'incident soit réalisée. Nous aurions aimé savoir quelles étaient les informations en votre possession, première question, si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Outre le fait que la conférence des élus souhaite que les représentants politiques de l'arrondissement Louis-Warren soient associés aux instances de décision et que les représentants des bassins puissent siéger dans les instances décisionnelles de l'aéroport, quels sont vos retours d'écoute? Deuxième question. Quelle position la commune de Saint-Georges va-t-elle adopter? Quelle est son intention, du moins? Il serait intéressant de pouvoir entendre les informations des dirigeants de la SOAR, que ce soit lors d'une rencontre comme celle avortée ou lors d'une réunion d'information avec la population comme organisée dans d'autres communes. Nous souhaiterions qu'une commission communale BRZ regroupant les différentes composantes du conseil communal soit créée afin de défendre au mieux les intérêts communaux et ceux des citoyens. Il n'y a pas besoin de vous rappeler le précédent épisode, compensation de territoire, financière, assonorisation, et que systématiquement un point soit inscrit à l'ordre du jour du conseil communal, comme demandé par moi. Donc je pense que ici, c'est juste un retour d'information, d'écoute et de fait d'indiquer à chaque conseil communal un point. Et de défendre les intérêts de tout un chacun au sein de la commune et des citoyens. Bon, d'abord, je souhaite répondre aux questions que m'a posées par l'équipe. Qui sont rentrés dedans Oui, mais pas seulement. Donc, en ce qui concerne l'allongement de la piste, il faut bien faire la part des choses. Il y a quelques temps déjà, ça se chiffre en mois et en année. Il y a eu un allongement de la piste principale en direction de d'Anse pour la porter à 1200 mètres. Enfin, donc c'était un allongement pour nous permettre d'accueillir n'importe quel avion existant à l'époque. Quand on parle d'allongement de la piste à l'heure actuelle, c'est la piste de contingence qui visait. Alors la piste de contingence, c'est une piste qui, évidemment, est installée à côté de l'autre, à une distance de 214 mètres, et ça a toute son importance. Donc, cette piste de contingence va faire l'objet, devrait faire l'objet, puisque c'est une décision qu'on a prise depuis à l'heure actuelle, puisque l'étude d'incidence est en cours de gravité prochaine. Donc, cette piste de contingence devrait être
c'est la piste principale qui doit subir des travaux en profondeur très importants. Donc la piste principale sera neutralisée pendant un laps de temps ce chiffre en mois, et c'est la piste de contingence adaptée à la même longueur que la piste principale qui pourra pallier aux travaux nécessaires sur la piste principale. Alors, ce qui est absolument certain, et j'ai cité la distance entre les deux pistes actuelles, c'est que ces deux pistes ne peuvent jamais être utilisées en même temps. C'est l'une ou c'est l'autre, mais pas en même temps. Parce que la distance de 214 mètres est tout à fait insuffisante au regard du prescrit de l'autorité aéroportuaire qui nécessite bien plus que 214 mètres de distance. Je n'ai pas de citer un chiffre. Si je devais citer un, je dirais 750 mètres, mais je n'ai pas l'occasion de le vérifier. Mais en tout cas, c'est tout à fait clair que les deux pistes ne peuvent pas fonctionner en même temps. Donc ça, c'est pour les pistes. En ce qui concerne le plan d'exposition au bruit et le plan de développement, on est à quelques encablures de la présentation de nouvelles études de l'un et de l'autre. Et cette présentation se fera une fois que tous les relevés auront été publiés, comme il doit l'être. Et ce qui a toute son importance, et j'y reviens par la suite. Une autre date qui est encore importante aussi, c'est en 2021 qu'on aura les résultats de l'étude d'incidence pour l'implantation de l'Aïbaba. Et c'est en 2023 qu'on aura le résultat de la nouvelle étude pour le renouvellement du permis d'exploitation de l'aéroport de Lyon. Alors, il y a à l'heure actuelle un emballement dans différentes communes. Et singulièrement, il y a eu, c'est-à-dire à Cavalier seul, des communes amères. 11 communes, je crois. Et 11 communes amères qui ont pris de leur propre initiative, contact avec le ministre pour le questionner différents points de vue. Il y a eu des réactions au cours de l'année qui se sont déroulées chez certains. Parce que, en fait, à l'heure actuelle, c'est on dit et j'ai entendu que. Il n'y a pas, de façon très fragmentaire, des informations chiffrées reconnue et objectivée quant à la quantité de vols, quant à la quantité de camions qui circulent ou qui circuleront, quant à la quantité de gros porteurs, quoique là aussi, je crois une augmentation de 8%, et quant à la quantité de vols de façon générale. Je pense que, et ça a été la conclusion d'un débat qui a eu lieu à la conférence des élus, je pense qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut tenir des chiffres réels, objectifs. Tant qu'on n'a pas ces chiffres-là, on ne peut pas se forger une opinion au permis définitif. En ce qui concerne les compensations, ce sont des chiffres, des relevés pour le PDD, pour le plan de développement à long terme, qui vont nous dire si oui ou non il y a des modifications de zone dans l'un et dans l'autre, et si oui, de quelle ampleur, et ce à quoi un zone de droit ou pas de droit. Mais je sais, pour l'avoir lu dans des documents officiels, que dans les mesures, par exemple, pour les délimitations de zones, en fait, il y a des endroits qui sont majoritairement dans la bonne zone, il y en a qui sont dans une zone supérieure, et il y en a qui sont dans une zone inférieure. Donc, imaginez quand même que si correctif il y aura des correctifs dans tous les sens. Enfin, si on veut que les choses soient faites avec honnêteté et objectivité, on peut s'attendre à des variations dans les deux sens. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas accès au moindre document. Alors, je pense que la conférence des élus va être notre porte-voix au niveau de l'URM. Parce que bon,
c'est quand même de communes qui vont pouvoir s'exprimer de sa voix, sauf que évidemment que tout le monde soit d'accord sur sa façon de faire, mais je pense que c'est le cas. Alors, j'ai lu dans la presse beaucoup d'effets d'annonce qui, à mon sens, mais ça m'engage que moi, ne repose sur rien de concret, parce qu'on n'a pas de données chiffrées pour se forger un avis des villes. Alors, ne suis pas opposé à faire un point verset à chaque fois qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine. Je ne vais pas recommencer la fin de l'époque des points verset où c'était le premier point, où je vous disais de façon récurrente, je n'ai rien à dire. Donc, d'accord pour faire une communication versée, quand j'ai quelque chose à déposer sur la table, quand je n'ai rien à déposer sur la table, je ne le ferai pas. Par contre, ce que je ferai, je pense que c'est important pour les conseils de tout ordre. Chaque fois que je disposerai d'un TV de réunion de l'organe représentatif du 17 communes de la soirée de la région urbaine, chaque fois qu'il y aura un TV, je communiquerai au conseil. Donc, comme ça, vous aurez une information, pas seulement de la part, mais également de la part de tous les intervenants du comité d'intervenants pour l'aéroport de Merzec qui ont été installés dans le printemps 2019 et qui sont forcément appuyés, frappés du plein fouet pour la problématique que nous connaissons à l'actuel. Et bon, ben voilà. De toute façon, c'était déjà, j'avais déjà voulu envoyer par mail et je tenais à vous le dire pour que vous demandiez si vous tombez du ciel de cette façon. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? En effet. Donc le point 2, nous l'avons. Le point 2, nous l'avons abordé tout à l'heure, c'était le point 5, je ne vais pas revenir dessus. Je vais arriver au point 3 concernant la piscine. La piscine Et vous savez pourquoi? Oui, j'ai découvert sur ma table de conseil le règlement concernant le droit d'intervention et le laps de temps qu'il faut, la procédure à remettre au président, ce qui ne m'empêche pas de m'exprimer quand. Je vais vous laisser vous exprimer et le conseil, en tout cas, je vais lui proposer de suivre la procédure et de transmettre la question au conseil d'administration de la RCA. Et nous allons convenir aujourd'hui même d'une réunion du conseil d'administration de la RCA. J'espère que nous ne devons pas attendre les 4 mois maximum qu'il est notifié, puisqu'il s'agit quand même d'un fait d'actualité. C'est un fait d'actualité, je suis bien d'accord avec vous, mais il doit se traiter selon les règles, les dispositions réglementaires et légales en place. Donc, je vais vous laisser vous exprimer, c'est tout à fait normal. Je demanderai au conseil communal qui décide de transmettre votre question de l'ordre au conseil d'administration. Et dans la foulée, nous allons déterminer une date du conseil d'administration. De la gestion de crise à la gestion des risques. Si on s'accorde tous sur le fait que le virus est toujours présent et que les mesures de prévention et de précaution sont essentielles, aujourd'hui, il y a nécessité de trouver des solutions afin de permettre à la population d'accéder à l'ensemble des services communaux et aux membres du personnel exercé en sécurité. Aujourd'hui, il est essentiel de se pousser les manches afin de permettre à la population de reprendre un semblant de vie normale en pratiquant des loisirs culturels, sportifs et autres. Aujourd'hui, il est temps de permettre aux établissements scolaires, aux différents groupements, aux clubs sportifs et autres fréquentant habituellement la piscine, d'accéder à un bassin, quel qu'il soit, afin d'atteindre leur objectif, qu'il soit d'apprentissage, de socle de compétences, d'entraînement, de détente ou de compétition. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous devons être créatifs pour répondre aux attentes et aux besoins des citoyens et aux autres acteurs de la société. Et non pas ne rien faire au risque de mal faire, d'avoir peur de mal faire. En tant que membre
membre du conseil d'administration de la SCA, je suis étonnée que des décisions unilatérales soient prises sans concertation. La dernière séance du CA ayant eu lieu le 6 juillet 2020, ou information des membres de ce dit conseil d'administration de la SCA. Quant à l'ouverture ou à la prolongation de la fermeture de l'infrastructure, quant aux difficultés rencontrées sur le terrain, que celles-ci soient humaines ou techniques, quant aux conséquences financières, qu'elles soient dues à l'inactivité liée à la pandémie, aux malfaçons ou au mauvais suivi de chantier de rénovation. Car lier les multiples fermetures de la piscine à la seule pandémie est illusoire et visible. Il suffit de lire le rapport de M. Aguilar, conseiller technique de l'AISF, suite à sa visite d'infrastructure datée du 22 juillet, pour comprendre que les propositions de flux entrant et sortant du Covid ne lui ont pas été exposées, et que le chantier de rénovation de la piscine, pour laquelle nous avons reçu de larges subsides, a été bâclé par de mauvais choix. Ce qui est corroboré par ailleurs par Mme Jacobs, directrice des infrastructures sportives locales de la SPOE, et je la cite, « Il ressort que la piscine est actuellement fermée vu le problème de ventilation et de condensation dans les vestiaires et la crise Covid, avec des impositions de réouverture apparemment difficilement réalisables. Les vestiaires ne sont pas ventilés et une forte condensation se produit dans ces derniers, ayant déjà nécessité la remise en peinture 3 fois de ces locaux. Lors des travaux de réfection de la piscine, le remplacement des châssis par des fenêtres dormantes a, semble-t-il, été privilégié par rapport à des ouvrants pour une question de coût, d'où la possibilité de les ouvrir et de procéder à une ventilation naturelle, avec pour conséquence ce qui est décrit au point précédent, c'est-à-dire la possibilité de réouverture de la piscine. Un projet de remplacement du groupe pulsion ventilation est en cours actuellement et devrait aboutir avec une réalisation des travaux en 2021. Le remplacement des châssis est également en cours. La commune espère qu'une fois ces travaux réalisés, la piscine sera enfin pleinement opérationnelle pour une réouverture à son public. Infrasport a pour mission de conseiller les demandeurs de subsides dans l'élaboration des projets subsidiés. Toutefois, l'autonomie communale est de rigueur. C'est le conseil communal qui approuve les projets établis par le bureau. Les courriers, force de vue, sont donc dus à une gestion défaillante et ce peu importe à qui la faute, ce n'est pas le propos de mon intervention. Lier la fermeture actuelle à la seule pandémie et sa non-réouverture, est donc bien visible et illusoire. Et donc nous souhaitons, les membres de la société citoyenne, en tant que conseillers communaux, et c'est là peut-être qu'il faudra que le conseil communal intervienne sur le fait de donner son accord pour poser les questions selon la procédure. Nous souhaitons recevoir une copie des cahiers des charges établis pour remédier aux problèmes de ventilation de l'infrastructure et des graves soucis d'étanchéité au niveau des collecteurs de débordement ainsi qu'au niveau des diverses nuisances sonores. Obtenir une copie des offres reçues et de l'analyse de celles-ci. Obtenir le timing et la réalisation des travaux. Savoir si certains d'entre eux ont débuté. Savoir à qui a été confié le suivi du chantier. À venir, le gestionnaire sportif et ou une autre personne. Par ailleurs, au vu des différentes communications à destination du grand public, qui sont divergentes selon qu'elles émanent du gestionnaire sportif, de l'échelon des sports ou de l'administration à travers les réseaux sociaux ou les médias, compte tenu du fait que l'ensemble des travaux ne débuteront pas ou ne seront pas terminés dans les semaines à venir, nous souhaiterions connaître vos intentions, entendu les intentions de la FCA, concernant les emplois des maîtres nageurs et autres agents dédiés au fonctionnement de la piscine, les solutions proposées et les dédommagements envisagés aux différents établissements scolaires, groupements et clubs sportifs avec qui des engagements locatifs ont été conclus.
les conditions de remboursement des abonnements, des cartes d'entrée bassin et des cours de natation de la LCA et toute autre info utile à notre connaissance du dossier. Je vais déposer les demandes. Au nom de la profession, voici le président de la LCA pour l'instituteur, M. Gomez. Et pour les représentants de chaque autre composante de l'opposition. Bien, je crois que toutes et tous, vous avez conseillé que vous avez eu l'occasion d'entendre le discours de Mme Leblon. Est-ce que nous pouvons décider de transférer ce questionnement à la RCA comme c'est prévu dans le statut? Voilà. Nous allons fixer tout de suite une date pour le conseil d'administration. Je m'y tiens.
Voilà. Je me tiens. Ok, donc le point 4 de votre interpellation. Je cède la parole à monsieur le ministre. On a vu que à l'époque du marquage du GIL, que je visite d'ailleurs, j'aimerais qu'on fasse une intervention si c'est possible. Je dois refuser votre zone très 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 vite. C'est une zone 3 qui me sera à vous. Parce que vous avez 2-3 marquages au sort, je crois que les gens ne sont pas à vous. Pas de problème, on a fait du 50 à l'heure à d'autres enfants, on peut très bien faire du 30 à l'heure à vous aussi. Il faut cependant bien avoir à l'esprit que ce marquage n'est pas officiel. Donc ça veut dire. Bon, allez, on essaye d'attirer l'attention des gens, mais on ne peut pas signer ce marquage-là exclusivement pour verbaliser le cas échéant. On a commencé à faire réfléchir que les gens parlent. Oui, d'accord. Alors, juste un peu au test, la hauteur numéro 10, il y a des personnalisations qui. D'abord, nous avions le portique, qui est d'actualité, et il y a 4 places sur ce poteau-là. Donc, une après un accepteur de hauteur. Vous devez déjà vous tenir la tête dessus. Ce n'est pas une blague, il y a déjà une relative dans tout le monde. C'est juste de relever la plaque, ou alors on aura vu une petite carrière. Mais tu peux voir ça, c'est vrai que le panneau qui a été des 25 ans, c'est bien en pratique alors qu'il est en 1900, le visage, il était comme ça. Automatiquement, on peut avoir monté. Excusez-moi, je regarde et je prends les gens. C'est ce qui va en question. Bon, la troisième, c'est rue du Parc. C'est pour ça que je dis à cheval entre le numéro 16 et 24. Quand les gens remontent par rue Grevesse, si regardent à gauche, vous avez priorité droite, c'est un frontal à chaque moment. Donc si le moyen de faire quelques jours. Mais on va, ce qu'on va faire. Quand je sors du film, c'est quoi faire de quoi faire. C'est ce qu'on fait chaque fois qu'on a un problème qui se pose de cette façon-là. On soumet la question au service de police, donc c'est le boulot de vérifier et de proposer des solutions quand il y en a. Parce que bon. Je peux entendre que ça pose un problème, mais il faut que l'on puisse garantir une circulation sécurisée pour les piétons également. Donc, je reviendrai avec l'interprétation de la police et que j'en serai en sa possession. Ce tuteur est très large, au moins d'une observation. Possible, je ne sais pas. Si j'ai eu la blague juste où je remontais, et alors je regarde s'il n'y avait rien, je ne sais pas, mais il y avait juste un cas de demande. C'est une bonne ordre. Le placement des panneaux est lié aussi à une demande de conseil de la police. Quand on place des panneaux. Ça dépend des panneaux, quels panneaux ? Des panneaux du style interdiction de stationner, ce genre de choses. Interdiction de stationner, ça fait l'objet d'un règlement complémentaire. Si c'est un panneau à vocation indicative, non. Si c'est un panneau qui peut asseoir. Une intervention policière, oui. Là, il faut leur demander la discussion. Ouais. Pas grand-chose. Voilà. OK. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à l'affaire du conseil communal.